à tous, on est en train de faire les déchômages aujourd'hui. On va vous montrer un petit peu tout ça. Des chômages déjà là, on va commencer pour le blé tendre à faire juste les passages de traitement d'intervention pour essayer de décompacter. Là, vous voyez, je travaille assez profond, environ 7 cm, et je fais ça avec un déchaumeur à dents à 3 rangées plus un petit peigne pour essayer de d'égaliser, parce que ça fait quand même des sillons, ça permet d'égaliser un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors on fait ça avec le 956. Là c'est le relevage, ça permet de relever progressivement de ce côté. Et là, c'est pour relever totalement d'un seul coup. Voilà un petit peu la bête. C'est attelé 3 points. Et là, c'est un attelage rapide. Vous voyez, il y a une barre. Et c'est ces boules-là qui permettent d'atteler facilement le déchaumeur. Ce qu'il faut bien... il faut que, bon là je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est en pente, mais il faut que les dents de devant et de derrière soient au même niveau. Ça se voit à peu près avec le bâti, et pour régler ça c'est avec le 3 points, on l'allonge ou on le raccourcit. Vous voyez, c'est des pattes de doigts, on voit bien l'action que ça fait sur les mauvaises herbes. Un chardon là, ça l'a bien arraché, pas mal de renouées et diverses cochonneries. Alors pour vous montrer un petit peu, vous voyez là, c'est assez dur quand même. C'est là où on a fait les passages d'engrais, fongicides, herbicides, des passages d'oligo, et vous voyez le résultat après le passage des dents. Ça permet quand même de décompacter. Cela, je le fais travailler qu'à 7 cm. Je suis assez satisfait du boulot. Vous voyez, ça mélange un petit peu la chaume, mais pour l'instant, moi, c'est pas mon but, là. C'est surtout de refaire la structure. C'est comme vous avez pu le voir cette année, on a eu de l'eau, quand même. Ah, vous voyez, bon, les mottes, il y en a quelques-unes qui sont dures, mais c'est pas l'objectif recherché de ce travail. C'est commencer à refaire la structure, et après, tout le reste, on passera... ça au déchaumeur à disque, enfin plutôt le cover crop et une petite déchaumeuse, et on attendra de le faire dans quelques temps parce que là il faudrait que ça pleuve juste après une pluie. C'est bon dans l'ensemble hein, à part des chardons, quelques renouées liserons là. Dans l'ensemble, c'est pas trop sale. On a déchaumé les colzas et les orges parce que c'était beaucoup plus sale. J'avais essayé avec cet outil-là dans les renouées liserons dans le colza. Elles étaient 5 fois plus grandes que ça. Et ça faisait une action de peigne
et ça bourrait totalement les dents, j'en avais des gros paquets. On a été obligé d'arrêter et de passer avec les disques dans les colzas. Faut savoir jongler entre les matériaux. Des fois on fait le déchaumage avec celui-là, mais on préfère avec les disques. C'est avec les disques qu'on fera un déchaumage plus superficiel au premier coup. Celui-là il est pas trop adapté pour un premier passage. J'avais changé quand même les dents, parce qu'avant c'était des dents droites, et là dents pas de doigts pour pouvoir couper plus large. Et que ça recroise à peu près quand même. Alors ça, je roule environ à 5 km/h pour faire un bon travail quand même. Et comme c'est assez dur, on pourrait casser les dents ou les ailettes. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Assez humide pour que les dents rentrent, et satisfait de mon boulot, ça va permettre de pouvoir décompacter sur les 7 cm, comme ça l'eau pourra rentrer et on pourra passer le déchaumeur. À samedi prochain.